La Cobham Survey Initiative, ASI, est un projet régional de coopération qui vise à améliorer les connaissances sur les cétacés et la macrofaune marine de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Coordonné par le secrétariat de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, l'ACOBAMS, le projet ASI rassemble des scientifiques et partenaires de tous les pays de la région dans un effort de recensement des cétacés inédits. Pour préparer cette campagne de suivi qui aura lieu à l'été 2018, en bateau et en avion, à travers toute la Méditerranée, un atelier régional a été organisé à Tunis du 3 au 5 octobre 2017. The ACOBAM survey initiative is going to be a large-scale survey of several cetacean species in the whole Mediterranean Sea. But for the first time, we will have a picture of the whole Mediterranean in the same time. Pour mettre en œuvre des politiques de conservation, il faut connaître la situation et pouvoir dire quelle est l'abondance des animaux et puis au cours du temps, comment cette abondance ou cette distribution change. Et les rassembler autour d'un projet comme ça, c'est vraiment un défi humain plus que scientifique. La mise à jour de plans d'action pour la conservation des cétacés préconise l'amélioration des connaissances des cétacés en Méditerranée et appelle à une collaboration avec les pays, mais aussi avec les instances régionales travaillant sur la thématique. C'est un projet issu de la volonté de plusieurs pays. Et le plus important, c'est qu'on travaille avec des représentants dans chaque pays. C'est notre groupe, en fait, notre groupe de contact, celui qu'on a rassemblé à cette occasion aujourd'hui pour cet atelier. Et c'est surtout un projet de coopération. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, sur ce projet, notamment dans cette région méditerranéenne qui peut être compliquée pour des enjeux géopolitiques qu'on connaît bien. L'objectif et les résultats qui sortiront de ce projet seront tellement importants pour la conservation de ces espèces au niveau de la région. Nous pensons avoir des nouvelles données scientifiques qui vont ensuite permettre de prendre des mesures pour l'identification de nouvelles aires marines protégées ou de limitation de l'impact des collisions avec le trafic maritime. Donc c'est un enjeu majeur, régional et aussi national.